Abbeville. Celui-là, c'est bien à l'ancienne. J'ai testé vite fait. La maniabilité, c'est pas ça. Hein. C'est à l'ancienne. Si vous voulez faire un petit peu la petite vidéo. Voilà. Donc appuyez sur Start, ils sont bien marrants. T'appuies sur Start de la manette, donc c'est-à-dire le bouton option. Ça marche pas. Faut appuyer sur le tactile. Donc voilà. Du coup, ça c'est la version PS2. Parce que quand tu lances le jeu, ça t'écrit en gros PlayStation 2. Donc voilà. Resident Evil. Nouvelle partie. Alors si le jeu est moche, c'est pas de ma faute. C'est parce que le jeu il a quelques années. American Midwestern town Raccoon City has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Donc là, ouais, c'est bien après le 1, 2 et 3, quoi. 3 months later. Ouais, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard après le 3, je pense. Donc le jeu en lui-même est pas trop dégueulasse, c'est les cinématiques. Les cinématiques comme ça sont pixelisées, alors que... Your identification number is WKD4496. Juste un portage, welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Qu'ils aimaient bien faire des personnages larges d'épaules. Des épaules bien à droite, putain. Aussi quand je dors par terre, je garde la main à moitié en l'air.
Voilà. Alors là, le jeu est déjà quand même un petit peu plus net, hein. Avec un briquet, je pourrais mieux voir. Ah oui, c'est mieux. Alors, il y aura des petits bugs de texture vite fait, vraiment pas grand chose et tout. Mais on a l'impression que du coup que c'est le jeu qui est émulé en fait. Ça fait trop bizarre. Il dit parfait et c'est sous-titré génial. C'est pas le même mot. Hein. Get out of here. This place is finished. I don't know. It might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Donc là, pour aller sur les côtés, le perso tourne sur lui-même. Donc, ça va être l'éclate. Ouais, non, c'est vrai. Ça, je peux pas le récupérer. Attends, dans les cellules, y a pas un truc? J'ai pas vérifié tout à l'heure quand j'ai essayé s'il y avait un truc dans la cellule. Ce serait marrant. Oh la vache, j'ai du mal à... Oh bah si, il y a du soin. Putain, j'avais oublié ça. Oh bon, c'est pas grave. Oh la vache. Ouais, bah, à mon avis, si je trouve un médicament pour lui donner, à mon avis, il y a des chances pour que qu'il m'attaque en tant que zombie, ouais. Donc voilà. Donc, vu la lenteur du perso, je vais passer 20 heures à faire le jeu. En vrai, je sais pas combien de temps il dure, celui-là. Je l'avais à l'époque sur Dreamcast, mais alors, je suis allé assez loin, mais je suis pas sûr d'être arrivé jusqu'à la fin. Puis bon, puis je l'ai fait qu'une fois, donc... Bon, je peux sauvegarder maintenant, ça sert à rien. Le pire, c'est ça, je crois. Les escaliers. On va pas compter combien de secondes elle met, hein, pour remonter, hein, mais... Elle a pas encore monté là. J'espère qu'elle n'a pas trop dans le jeu. Enfin. Ouais, alors du coup les boutons sont pas les mêmes. Légèrement fait sursauter, tant je le savais. Elle est vraiment moche. On peut dire que c'est mieux d'être digne celui-là.
la PS2. Là. Bien sûr, je vais me faire bouffer par tous les zombies. Ah, dégage. Dégage, toi, allez. Ils sont morts ? Non. Il y en a encore un. Hop. Ça cible automatiquement quand un ennemi est à proximité. Je crois qu'il est un peu loin. Oh, il y en a deux. Merde. Allez, coupez les pattes. Oh, nickel. Vas-y, finis-le. Si, on y va. Allez, hop. Ça se tombe direct. Ah merde, je vais me mettre derrière la grille. Dégage. C'est bon, la musique s'est arrêtée, il n'y en a plus. Alors par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est qu'il y avait une mallette. Mais je sais pas comment la récupérer parce que je me fais blesser par les flammes. J'ai bien vu une mallette à tout à l'heure tomber. Hein. Merde. Bon, mais c'est plus tard. À force qu'il pleut, les flammes seront plus là. Passe le truc. Là par contre je vais pas m'amuser à faire tous les trophées et tout ça sur cette version. Je joue juste pour faire l'histoire et puis voilà. Je veux pas qu'on tire dessus, tire pas sur les autres, connard. Vas-y, il a passé la tête, vas-y, fume-le. We're right there. I'm coming over. Hey, vas-y, viens, viens, je te fous une balle. Viens. Connard. Sorry about that little misunderstanding. Mais oui, bien sûr. Another one of those monsters. Shut up. Make one wrong move and I'll shoot. I said I was sore. My name's Steve. M'en fous. I was a prisoner on this island. Si, j'appuie sur la cachette. And là, I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find her, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Dès que j'ai l'occasion de le fumer, lui, je le fais. Si on peut. Oh.
D'accord, donc là c'est pas affiché ça, ok. Et si j'appuie sur le triangle, c'est la carte. Ça devrait être inversé normalement parce que ça aurait été plus pratique. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, les portes jaunes ni la rouge. La rouge, à mon avis, c'est que tu dois avancer. Jaune, je ne sais pas. Oh, il a des balles, le coucou. À mettre dessus. D'accord. Ça, je savais même pas. Merde, je me couvre le bouton. Ouais, donc c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Derrière, je sais qu'il y a des zombies. Ah, c'était le truc à récupérer. J'avais lâché la manette. On t'attire vite, ça c'est pratique. Je vois pas si ils sont ou pas. C'est vraiment le gameplay, enfin les contrôles à l'ancienne quand même. Merde, je vais réussir à me gourer tout le temps de boutons. Ah, c'est mieux. C'est les chiottes, mais y a rien à faire. Oh putain, je me cours encore de boutons. Hein. Document sur la table. Ouais, non, je peux pas prendre. Bon, par contre, vu que c'est une version du jeu que je connais très mal, j'hésiterai pas à me servir de la soluce pour savoir quelle clé ouvre quoi et quand y aller. Yeah.
Oui, au bout d'un moment, ça, on pourra plus l'utiliser. Tire une fois de trop, super. 30. Ah, 90. Putain, vache, le carré rouge, il est tellement épais que j'ai cru que c'était 30. Ah, c'est 90. D'accord, ça va encore. Alors, j'ai reçu une demande de chat vocal. Lulu. Ah, allô, allô. Ouais. Ah, t'étais pas là de l'après-midi ou quoi? Bah, non, pas vraiment. Enfin, si, j'étais sur la console, un petit peu. Mais non, en fait, j'étais en vocal sur l'application Xbox. Ah, mais t'aurais pu m'envoyer un message. Ah, du coup, j'étais en train aussi de regarder les... Ça m'aurait évité de t'attendre, en fait. Parce que j'étais en train de regarder les tomes de manga, machin et tout, lesquels qui me manquaient... Ou les avoir le moins cher et tout, enfin le gros bordel quoi. Okay. Quand tu vas à Reims du coup demain avec Jojo? On va à Reims, oui, mais pas demain. Ah, vous y allez quand? La semaine prochaine quand j'aurai mes sous de ces discounts, parce que j'ai reçu le chèque tout à l'heure. D'accord. Donc j'ai déposé à la poste tout à l'heure et faut attendre d'avoir les sous. Comme ça au moins je suis tranquille Là du coup sur internet je vais juste prendre les tomes que je peux pas avoir en magasin parce que c'est trop vieux. Et tout ce qui est tomes récents et tout qu'il y a au magasin, je les achèterai directement là-bas. Ouais. Ah merde. Du coup il vient pas sur Rotten demain. Normalement si, il m'emmène faire des courses demain. Ah, je demande s'il peut emmener Sean aussi. Bah ouais. Comme ça je pourrais prendre des au carrefour et ça me coûtera moins cher. Ouais. Bah profitez-en, regarde ce qu'il y a en promo et tout, ça peut y avoir des trucs intéressants. Ah bah non, là on prend le strict minimum, je sais pas ce que j'ai foutu encore. J'ai compté comme une tub, on a que 120€ de bouffe pour le mois. Ah merde. Bah enfin ça va, il y a les 30€ que tu vas me filer qui vont compenser déjà. Ouais bah oui. Ouais. Je suis chier, j'ai pas de monnaie moi. Ok, moi je suis tombé. Ouais mais bon, quand j'en achète, c'est pas avec les miens dessous. Ah oui. Ah des fois si, des fois j'en prends avec mes sous à moi des fois. Mais par contre moi tiens, je suis en train de faire le Resident Evil Code Veronica. C'est les contrôles à l'ancienne. Donc en gros ton personnage, si tu veux si tu bouges le joystick à gauche ou à droite, ton perso il tourne sur lui-même. Voilà. Donc bon, faut le temps de s'y habituer, hein, mais ouais quoi, c'est pas terrible quoi. J'ai bien, mais vraiment bien avancé sur le Bluetooth là. Après c'est ma Mao qui vole, donc je vais accéder à tous les zones. Ouais. Moi j'ai débloqué ça juste avant d'arrêter aujourd'hui, donc demain je pourrais aller faire toutes les zones qui étaient inaccessibles jusque là pour essayer de faire tous les trucs secondaires. Et là je crois que je suis un peu plus de 50% sur ces là. C'est pas trop mal déjà. Ouais. J'ai plutôt content. Ouais. Merlin maintenant, Merlin et Escanor, ils sont bien. Surtout Merlin, elle défaut.
Par contre, je peux pas aller dans les options du jeu. Parce que je voulais baisser un peu le son. Que vache, le bruitage et tout, c'est ça donc. Ah, j'ai couru, lui. C'est pas juste, il court à moitié, lui. Salaud. Ah, par contre, ils ont mélangé. Ils ont mélangé le bouton pour accéder à l'inventaire et celui de la carte. Ah, ils sont chiants. Pour aller au portail juridique demain. Ah, je vois, je vais lui parler avant, mais comme il se passe à la tête pour emmener Lulu, autant que. On profite du jour-là au lieu de le faire revenir un autre jour. Ah, oh, bah oui. Oui. Bah. Hein? Please deposit any metallic items you have in the security box. Bah moi je lui donnerai 10. T'aurais juste à lui donner 10 du coup. Ouais bah ouais. Bah, ou alors, à moins que sur les sous que je te dois pour le jeu, je lui donne les 10 euros que tu dois lui donner, je lui donne avec ces sous-là. Ouais, au pire ouais. Bah ouais. Alors, ouais, alors tout ce qui est métallique. Merde. C'est pas nécessaire parce que c'est pas en métal. Ouais, mais bon. Alors quand je reviens ici par contre... Ouais, y a rien. Ouais. Communique pas ensemble ceux-là. Dommage. Duplicateur 3D. Bon, quand les ennemis sont pas rapides, le principe qu'elle se transforme en sulfateuse, en machin et tout ça, je le kiffe. Hein? Prends ça dans ta gueule. Ouais. Oh. Montre mes couilles, hein, t'as trouvé ton forgeron. Donc. Ouais, c'est mettre les murs. Ah. J'ai fait le sport tout à l'heure, Lulu, putain. Ouais. On ça picote, hein. Hein, IPP. Oh, sa mère. Ah, j'étais là. Oh, IPP. Oh, les jambes et tout. La télécommande, elle était sur la table. J'ai même pas pu attraper la télécommande pour... Hein, je voulais me verser du coca. Comment dire,
Le bras il tremblait, sa mère et tout, et juste une bouteille de coca, en plus presque vide, hein, donc elle pesait plus rien. Ah Le bah. bras il tremblait et tout, mon gars. Et après, je me lève pour aller faire à manger. Oh, les jambes qui. Comment dire? Et quand tu te sers le coca, moi je suis mort de Les rire. jambes qui. Tu sais, qui flageolent un peu, genre et tout. Je dis, oh, Hmm? nique sa mère, allez hop, c'est bon, laisse tomber. Je dis, c'est pas la peine. Il dit au gamin, vas-y, démerde-toi, mange des céréales. Moi, je me suis fait juste un sandwich, j'ai dit, je cuisine pas. Mes couilles. Dis-moi qu'à propos de tout des céréales. Ouais. Chien, j'arrive pas à l'atteindre, ce bâtard. Même avec Dante, j'arrive pas à l'avoir, bordel. Un morceau de sphère bleue là. Ouais. Quelqu'un a écrit à l'ordi? Oh, c'est Chris l'autre troufion. Redfield. T'as pas fait le son? Ah bah attends, tiens. Ça donne mon What are you doing here? téléphone. Il est là. Bon, J'ai après la je vais chance que aller j'ai faire pas un d'armes, petit oui. MS. Non, tu l'as pas. Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Salut Jojo, vu que tu emmènes Lulu aux courses demain, tu pourrais emmener I've got Shane to après ou contact Leon pas? and tell him to let my brother know he's being monitored. Non, pas Shane, Shane. It's a good thing I have access to an outside T'as rien connection from fait here. quoi? Shane That file ou shows the pas, s'il te latitude and plaît? longitude of this place. Shane ou pas, s'il te plaît? Why don't you send your brother the coordinates and Il ask me him to come remarque help? Shane, le bâtard. Thanks, I'll do that. Hey, are we Je fais just une connerie, mais kidding? sans la connerie. Non, non, si, la connerie, s'y rajoute, là, en fait. Si, que There's no Alfred way he puisse could se get here, donner. even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. Ah, j'aime bien, le premier, il est parti, le deuxième, il... Ah bah non, les deux sont en No attente. way. Ah bah, tu vois, il capte bien chez lui, He won't come. Oh, ouais. You'll just end up disappointed if you rely on Arrête others. de taper, net, dites le mot, là. Believe me, I know. Rien à foutre, me tape pas ou je te tabasse. Ah, c'est pas de ma faute, il a qu'à pas faire des conneries. T'as qu'à arrêter de faire des conneries, il dira pas que tu fais des conneries. Bah Si oui. tu faisais. Si tu faisais pas des conneries. Non, mais c'est les deux qui se sont envoyés. Ok, faut juste prendre le document. Ouais, va enculer ta mère, le jeu de merde avec tes contrôles d'enculé, tes changements de caméra de fils de pute. Tête de ma mère, j'en ai plein le L'email cul, pour hein. Léon a déjà été envoyé. Oh, d'accord. Je suis en mode quoi là? Mais pourquoi j'étais pas en mode trickster, fils de pute? J'ai pas Pourquoi d'armes. que c'est que j'étais pas en mode trickster? C'est quoi ça? Système de verrouillage du rideau Ouais, métallique. super. Eh bien le mode trickster. Ah là, tu me le fais le double saut et quand j'en ai besoin, tu me le fais pas, Nadine Zlabek. Du coup, Hijo de qu'est-ce que je puta de fais? la madre. Et je me fais baiser pour un changement de caméra de fils de pute. Putain, comment ça commence à m'énerver ça? Vas-y, je vais sauvegarder quand même. Allez. Et là, pourquoi tu mets ce double saut, putain? Pour sauvegarder, mets le logo de la carte mémoire de PS2. Parce C'est que c'est un fou. jeu de PS2 en fait. Quand tu démarres, t'as le logo Ouais, c'est fou. PS2. Ne pas Voilà, retirer la Nikomouk! memory card. Forcément, je peux pas, c'est la PS5, hein, alors. Ouais, bah ça va, y a pas de risque là. Oui. Ça y est, j'ai réussi à l'avoir, mon morceau de machin. La vache, à l'ancienne en Ta plus. gueule! Quand ça sauvegarde, t'entends les bruits de la machine à écrire, là. Oh la vache. Alors, je comprends pas, tu sauvegardes avec une machine à écrire alors qu'il y a des ordi et tout dans le jeu, quoi. Tu vois, je peux le faire, machin? Ça? Vas-y. Elle vient des Ah mères. là, je me cours des boutons. Ah non, mais vas-y, elle vient des ta mère. Ah ouais? Ah ouais, tu la joues comme ça, toi.
Hop. Ah, c'est de l'or pur, d'accord. Ah bah ouais. Hein. On va y arriver. Ah, ça pique, hein, l'arbalète lance-roquette sa mère dans ton cul. Hein. Matériaux. Ah merde. Je viens par me. Bon, voilà, c'est vrai. Je suis pas là, mais de toute façon, je pense que c'est au début, je vais remettre. Please deposit any metallic items you have in the security box. Demain j'aurai un nouveau jeu alors. Ah bah oui, de toute façon, il est déjà dans la salle à manger, j'ai déjà mis de côté. Puis bah moi aussi j'aurai un nouveau jeu. Bah ouais. Ouais, du coup, ouais, bah du coup, ouais, donne directement les. Bah les 10 balles, à Jojo direct quoi. Ouais, bah ouais, et du coup. Ouais. Regarde si j'ai 2 euros en monnaie au pire dans mon portefeuille. Dans ma pochette, un truc comme ça, chaque fois. Sinon, je donne 10 euros à lui au pire et puis. Parce que attends, ça fait que si tu lui donnes 10 et que tu gardes 6 pour les gaufres, ça fait combien ça? Ça fait déjà 16. Mmh. Ouais, ça fait déjà 16. 16 sur 20, sur 30, ça fait qu'il me reste 14. Ouais. Oh, d'accord, merde. Je croyais avoir 2 euros, c'est vrai, je disais ok, tu m'en prends 2 et tu m'en donnes que 10. Ouais, non, bah c'est tout, ouais, parce que. Ouais, bah c'est tout, c'est pas grave, j'en ferai. C'est tout. Du coup, je pense en avoir un peu, tu vois. Alors, j'hésite, est-ce que tu me prends 2 paquets de gaufres ou un seul? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Donc j'ai que 8 euros à te donner du coup. Ouais, 8 euros et puis 2 paquets de gaufres en 40 euros. Oui, bah je m'en fous, je te filerai 10 et tout, c'est bon. Donc t'as vu, quand tu m'as pas eu des gaufres, tu m'en feras parce que tu feras la gratte. Tu t'en feras la gratte. Meilleur que les autres. Souvent, quand c'est gratuit, c'est meilleur. Hein. Là, je sais pas comment on saura c'est laquelle, mais on va la trouver, t'inquiète. On la sentira, elle aura meilleure odeur, normalement. On va dire, ah, celle-là, c'est Lulu, ça, elle est gratuite. Elle sent meilleure. On sent que celle-là, elle a, hein, voilà. Elle est plus sueuse. Ah, ça. Elle est plus sueuse. Non mais du coup on achètera peut-être une truc de. Hein, on s'achètera pour avec les gaufres là, on s'achètera une machine de spéculoos là. De pâte à tartine de spéculoos pour mettre dessus. Oui bah Carrefour. Non. Oh non. Non mais de toute façon tu vas aller au centre Carrefour, enfin si il me répond. On va pas dépendre des fioles, je suis monté. Hein? C'est pas du bon quoi, il a pas l'air de enfin, il a pas l'air de répondre à ses méthodes. Ça m'étonnerait qu'il veuille pas, puisque bon, au lieu de revenir une autre fois, je pense que ça va le faire directement là. Bah oui. Oh merde, mais. C'est marqué reçu. Je sais pas s'il est dit ou pas, moi. Je sais s'il est reçu déjà, ce qui est pas mal. Bah oui. Il est en
partir, savoir s'il répond ou pas, parce qu'il a pas envie, ou parce qu'il est occupé, ou parce que... Bah, pendant tout l'après-midi, il était sur Pirate Warriors 4. Ah oui, bah, s'il est sur un jeu comme ça, ouais. Ouais, c'est pareil, je suis sur Pirate Warriors, mais j'ai pas le temps, hein. Il faut que ça passe des minutes, des 3 minutes. Hop. Il y en avait un qui était par terre, mais pas lui. Je savais pas qui était là. Lui. Là-bas. Moi je vais là-bas et je lui ai dit comme R, comme R. C'est ça. Oh putain, il y a encore des zombies qui sont revenus là, bordel. Comment dit 10, 7, comment dit 20, 10, 10. Hein? Ah, je suis mal. Non, en fait, on se parle. Parce que nous, on a le jeune. Le jeune qui est drôle, en vrai, c'est ça. C'est ça. Ah oui, bah. Bah, les discussions qui vont sur Skype là, ou je sais pas quoi là. Ou... Ouais, oh, ça se voit que c'est un peu scénarisé, mais franchement, c'est marrant. Oui, bah oui, et le père il est trop drôle. Que... En fait, il est drôle parce qu'il est exactement comme il raconte dans les spectacles, c'est-à-dire assez. T'as l'impression qu'il a zéro humour en vrai, tu sais, c'est juste ça, il discute en fait. C'est ça. Il a... Par contre, il a vraiment l'accent, comme il dit, avec le bon accent marocain là. d'origine, ouais, ils sont marocains, ouais, enfin lui, bon. Ah bah lui, il est presque pas du tout. Hein. Les premières fois qu'il était au Maroc, c'était pour le Marrakech du rire, donc bon, voilà. Hein. Ouais, ça fait pas hyper marocain, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est le chauve, ouais. Rachid Badouri, il est québécois, là, ça parle. De France pour aller au bled, ça va. Hein? Un Rachid non, québécois. Rachid, c'est pas québécois. Ah oui, c'est arabe, Rachid, ouais. Oui, oui. Ah bah oui, hein, oui, plutôt. Hein. C'est plutôt arabe que québécois, hein, bah parce que ses parents sont arabes. Mais par contre, quand tu le regardes, lui, dans des sketchs ou quoi que ce soit, quand il est en France, il parle français, sans trop d'accent. Par contre, quand il est à Montreux ou un truc comme ça, ah bah t'inquiète, hein, bah là, son accent, il l'a. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il se force quand il est en France pour faire... Ouais, je pense, ouais. Oh, pff, il devrait parler normalement, en fait. Hein. Bah, ouais. C'est tout, hein. Il a l'accent, il a l'accent. Hein, que hier, j'ai commencé à en regarder un. J'ai commencé à en regarder un hier, et je te jure que j'étais pas bien parce que j'ai pas compris. Ah. Ah non, je comprenais pas. Là, franchement, c'était au point que je comprenais pas. Ouais, enfin, il parlait québécois, alors c'est du français consanguin, donc c'est un peu chaud. Je vois un peu ce qu'il y a aussi, il y a un truc. Peut-être plus con que sanguin, mais enfin, quand même, c'est chaud. En gros, c'est pas français du tout. Si, c'est français, mais c'est le français, comment dire... Eux, ils ont appris le français à l'époque, quand ils sont arrivés là-bas, et que c'était à la France, là-bas, mais c'est fini, ça, depuis longtemps. Du coup, ils parlent l'ancien français. Bien, du coup, ouais, c'est même pas l'ancien français. Il est claqué, ils se sont même approprié une langue à eux, qui s'appelle le québécois, hein, et c'est, comment dire, bah, assez spécial. Par contre, ils ont des expressions sympas. Hein? Bah comme par exemple tu dis une gonzesse, tu dis la fourrée et tout, tu vois, nous ça fait rigoler et tout, là-bas ça veut pas dire la même chose. Hein, je sais plus, je crois que ça veut dire prendre soin d'elle ou un truc comme ça, enfin
Ça n'a pas la connotation sexuelle que ça a chez nous, en fait. Donc c'est drôle mmh. quand ils disent ça. Ah, lui, ouais. Il a fourré, ça veut dire lui mettre un kékette. Et eux, chez eux, là-bas, les gosses, bah pour eux, les gosses, c'est les coucougnettes. Pour nous, c'est ouais, un... Ouais. Pour nous, ça, c'est un mioche, quoi. C'est un enfant, quoi. Ouais. Il y a je sais plus quoi aussi. Ah oui, la foufoune, c'est les fesses. Ouais, un truc comme ça, ouais. J'étais mort de rien quand ça me prenait ça. Je me cours toujours de boutons, c'est chiant par contre. Hein. Ouais, je commence à bien contrôler perso, par contre, c'est mettre l'inventaire, c'est chiant. J'ai réussi à finir, c'est le neveu là, je suis obligé de nettoyer derrière lui, celui-ci là. Bah, déjà, tu vas te faire tout de suite, par le mot, là. Par contre, c'est intéressant de me redonner des balles parce que j'ai plus grand chose, hein. Il fait bien mal. Là, j'arrive pas trop à esquiver ce jeu. Ça l'a bien sonné là. Là, je vais en prendre plein à ta gueule là. Il fallait pas tomber au sol. Hein. Bon, du coup, j'ai déjà fait mon panier sur Amazon. Ah. Ouais. Le tome 4, 4 et 5 de Black Torch pour finir la collection. Ouais. Ouais, mais en gros, c'est surtout pour finir les trucs. Hein. Attends, je vais regarder. Hop. Normalement, je crois que l'appli est encore ouverte en plus. Ouais. Ladyboy vs Yakuza. Du coup, bah, je prends. Tome 2, 3, 4 et 5. Ouais. Walking Cat, parce que j'ai le tome 1, du coup je prends le 2 et 3, comme ça je l'ai complet. Et les rives rouges de l'adultère, comme j'ai le 1, ben, je prends le 2. Ouais. Ah oui, c'est l'autre qui baisse très bien ça. Ouais. Du coup il y a 9 bouquins et j'en ai pour 70 balles. D'accord. Et encore, j'ai regardé pour d'autres bouquins encore, mais bon. Ouais, du coup, ce mois-ci, tu prends pas tous ceux que. Les autres attendra avril, non, pour prendre le reste Je pense, ouais, je veux surtout en fait là sur internet surtout commander tous les comment que c'est les séries qui est déjà commencé mais qu'on peut plus avoir en magasin. Ouais. Parce que vache, genre, attends, il y en a un, c'est lequel? Ah, attends que je m'en souviens du nom, je crois que c'est. Le bouquin La fille des ténèbres. Il y a 9 bouquins sur Amazon, le tome 5, il est à 25 euros. Ouais. Du coup, j'ai regardé quelque part pour les avoir d'occasion. Et d'occasion, j'arrive quand même à les trouver. Bon, par contre, c'est à coup de 40-50 balles quoi, pour avoir le truc complet. Quoi. Ouais, quoi. C'est un peu chiant, mais pas le choix. Du coup, bah, j'ai envoyé des messages aux gens qui revendaient ça sur le bon coin. J'ai plus qu'à attendre une réponse ou quoi. Il y en a un, je vais demander voir s'ils faisaient s'ils pouvaient baisser un petit peu le prix ou un truc comme ça. Parce que bon, ils revendaient du tome 2, tome 2 jusqu'au tome 9. Il revendait ça 58 euros. J'ai dit, ah, vache, avec les frais de port et tout, j'en ai pour une blinde. Et puis le mec, ah oh, bah non, moi je baisse pas, c'est non négociable. Ah, je fais ok, au revoir. Voilà. J'aurais été moins con, j'aurais pris, j'aurais envoyé le chèque dès demain. Du coup, il y a même une personne qui les vend, qui vend les 9 bouquins. Elle les vend 40 euros, je crois. Donc là, c'est déjà plus raisonnable déjà. Donc, j'ai envoyé un message. Bon, j'ai pas de réponse pour l'instant. Ouais, mais du coup, c'est moins de 5 euros le bouquin. Après, faut voir avec les frais de port. De toute façon, en manga, malheureusement, localement, ça coûte plus cher que le neuf.
Bah, ou alors ça te coûte le prix du neuf, mais des fois, ouais, ça peut valoir le plus cher. Des fois, c'est même plus cher. Il suffit qu'il soit dur à trouver et... Hmm? Regarde, les Amel Godef, il y en a un en particulier, je crois que c'est le 34, je crois, qui est à plus de 200 euros. Ben, moi, c'est ce que j'ai vu, en fait, pour le manga Lune de Sang, parce que j'ai le premier tome, et bon, bah, je dis, bah, tiens, je vais essayer d'acheter le reste. Il y a une personne sur Le Bon Coin, ouais, c'est ultra rare et tout, machin, dans sa description. Du coup, au final, comme il a le truc complet, ben, il se permet de mettre ça à 200 balles. Le lot. Ouais, mais... 200 balles pour des bouquins. Or que moi, Lune de Sang, honnêtement, quand je regarde sur Internet, chaque tome, je le trouve à moins de 10 balles. En neuf. Donc, si tu fais le calcul vite fait, bah, t'en as pour moins cher. Moins cher que de les prendre à l'unité sur internet que... Mais j'ai trouvé un site où, vach, ils ont des bouquins, je fais vach, je connais pas. Que je verrai bien si c'est bien ou pas. Du coup, j'ai ça à déposer. Ah, merde. Ça, je vais en avoir besoin. Ah, je m'en fous. Il y a un truc à faire avant. Sinon, je vais être coulé. Ouais, il me dit que c'est pas du métal. Ah putain, c'est le briquet qui me fait chier. Il est stylé comme arme, mais le problème c'est qu'il met du temps et du coup il est... Ouais, j'ai vu comment il tape après les fenêtres, ils vont se faire tout péter ça, enfoiré. Il tombe en face de Cerber dans le creux, il lui dit ah putain, comment dire, c'est la première fois que je vois un clébard aussi moche ou une connerie comme ça. Enfin, il dit allez viens toutou, viens jouer à Babal, c'est Cerber hein. Mais... Ah ouais, lui, il vient jouer à la balle. Même pas par une seconde. Ah, je me gourde de boutons, c'est chiant. Bien, putain, c'est la première fois que je vois un clébard qui parle, c'est clébard. C'est genre le... Ah, comme il dirait l'autre, c'est le toutou, le plus caillérode et toutou, quoi, tu vois. Hein, mmh. C'est quoi, ils l'ont appelé Stevie. Ah ouais, ils l'ont appelé Stevie, les bâtards. Hein, mmh. À France, plein que je mords les gosses. Mais c'est que j'imagine la scène, le mec, tu sais, mettre le pit dans le truc, c'est comme si c'était un chihuahua, sa mère. On met du vernis sur les griffes, putain. Putain, sans l'eau. Ah mais contrôle de merde. Ah non mais les gars ils abusent hein. Le chien il a rien fait lui dans l'histoire, il a rien à voir. Hein. Ah puis vu ce que je vois à la maison, je suis pas le seul à me lécher les couilles hein. Oh là là mais c'est quoi de ça là. C'est des TD. T'avais pas compris. Oh, tu peux jamais rien faire dans le jeu là. Hein. Ah, on va se branler les couilles, se lécher les couilles. Elle est pédée. Voilà. Pas le choix, hein. Y a pas d'organes sexuels féminins, hein. C'est des hommes. Hein. Hein. Donc c'est un pédé. Ah là là, vire, dégage. Ah oui, s'il y avait des organes sexuels féminins, il serait pas. Ah, il serait pas homosexuel. Ça, c'est parce que je m'étais trompé encore. Ah, ok. Bon. Eh, reviens, fils de pute, tu vas me niquer mon compteur, là. Bâtard. Tu vas me niquer mon compteur de points de style.
Regarde, j'aurais pu passer en SS, espèce de fils de pute. Et voilà, et putain de bâtard. Tout ça parce qu'il fuit comme une salope à partir dans les murs et tout là. Enculé de ta race de mort. Putain merde, voilà, je finis en tête, bâtard. Ah du coup on voit plus. Ah d'accord, du coup c'est fermé. Chie, il y a des balles là-bas et tout, je peux pas les prendre. Quoi. Mais Nero, c'est parce qu'il est encore trop jeune. C'est pas le monde. Ah, c'est pour ça, c'est tonton qui vient régler les soucis. Allez, où la blague là? Non, mais explique, hein, parce que t'es pouffé de rire comme un con. Un novice, un nervis. Ouais, c'est quoi la blague? Non, mais essaye d'expliquer dans le contexte. Ouais, c'est de la merde, hein. Apprends-le, tu vois bien que je suis en train de sauver le monde là, non? Ça te dérange pas que je suis occupé à nettoyer la merde du petit con là? Il faut que je te torche toi aussi. Tu le dis sinon, hé. Hey. Hein? À la puissance de mes doigts, mec. Hein? À sans manette, je peux pas. Il a besoin d'un outil de contrôle, je peux pas sauver le monde avec sa bille. Hein? Mais quand même, il faut un minimum de stuff, hein? Voilà. Ouais, bah c'est pareil, il faut un minimum de stuff, il faut un équipement complet. Tu pars pas à la chasse au Tetsubara sans prendre des potions, hein. On a déjà vu ce que ça donne, hein, Lulu, notre première mission là sur le crapaud là. Ouais. Hein, on était parti sans se préparer, bon bah on a fait 3 minutes. On y est retourné préparé, on en a chié, mais on l'a eu. C'est notre premier gros monstre. Ah, qui soigne une fois que le combat est terminé, mais bon, bah, au moins il essayait de soigner, tu vois. C'était mieux que le mien qui soignait pas. Oui, mais qui pouvait soigner quand même de temps en temps. Mais bon, non, il avait décidé que nique sa mère, quoi. Ouais, en plus, il soignait Lulu et pas moi, le peu de fois où il soignait. Enculé, le bâtard. De toute façon, dans le prochain, si je peux, je refais un choix et je le rappelle pour pauvre. Si je refais un chat soigneur. Après, ça dépend peut-être de la classe ou un truc comme ça, peut-être. Moi, je l'appellerai peut-être ici. Je vais voir, moi, s'il n'y a pas moyen de faire une classe de piégeur, tu sais, qui pose des pièges et tout pour les monstres. Ils le font, ça, ce serait bien parce que ça pourrait nous aider pas mal. Je suis pas doué, moi. Ces fils de pute, ils se prennent jamais dedans. Tête de ma mère, c'est un truc de fou. Please deposit any metallic items you have in the security box. Ouais, enfin, quand tu fais ça à Rathalos, ça passe un peu moins bien. Est-ce que le couteau, je peux le garder? Super. La race, moi, je crois pas au race. Allez, on s'en fout, allez, hop. Mais putain, je parle trop faux, machin, allez. Je merde. C'est pareil, même combat. C'est la lutte animale. Bon, j'avoue, la différence. Le chihuahua est beaucoup plus dangereux que le dragon. Quand même. Ah, le chihuahua, c'est un truc, voilà. Puis là, j'ai pas d'armes. Ah, mais derrière. Putain. Un château plein, je vais pouvoir dans les. Celui-là.
je peux vraiment rien prendre. À quoi bon me donner ça si j'ai pas accès. Ah, on l'a mis en vente sur le bon coin, il est parti direct. Oups, merde. Ah, moi je t'avoue, j'aurais acheté direct. Hein. Enfin, bon. Ah bah ça. C'est vrai que niveau utilité, bien mieux. Oui, il y a un truc à déplacer. Il doit y avoir un truc à déplacer. Là là, les pauvres. On va récupérer le reste. Je peux pas prendre ça, hein. Pourquoi on peut pas configurer les touches comme on veut là? Parce que c'est chiant ça. Parce que c'est de la merde, il y a trop de temps. Ouais, mais on s'en fout. On court vite. Il encule des mains, des mères même sans bébé. Ah ouais, un blason. Une plaque. Ouais, ouais, c'est... Comme zombie, on vous entend gueuler. J'aurais pu économiser des balles aussi. Hein, mais... De quoi tu parles? Bah, je les ai flingués, ils sont revenus! Sur le solo! Ah, Overlord! Faut un peu des noms, puis parce que quand tu parles d'un truc qu'on a regardé il y a plusieurs mois, si tu donnes pas un nom, si tu dis l'autre, voilà. Espèce de démon. Putain, donne des descriptions claires, bordel de merde. Des miens. Le héros Einzaldon. Ouais, c'est dur à prononcer parce que c'est pas bon. Einzaldon. Alzheimer, ah oui. Non, c'est un non. Ça c'est pas un démon, c'est une démence. C'est pas tout à fait pareil. Oui, oh. Oui, c'est de la démence, c'est de la maladie mentale. Ça provoque la démence. Ouais. Ouais, ça... Ça tue les cellules du cerveau et c'est ce qui te rappelle plus vu que tu... Comment dire, que ton cerveau est pas en couille. C'est pour ça que grand-père, des fois, il avait peur de nous et tout, parce qu'il savait pas qu'on était. À cause de ce salope. Comment il est avec cette saloperie là, c'est peut-être mieux pour lui, hein. Et peut-être mieux là où il est maintenant, hein, si jamais il nous dit après la mort ou une connerie comme ça. Ouais. Bah ouais. Ah, bon, à mon avis, à des fois il fait se faire faire tout ça parce qu'il ne peut pas savoir où il est, tout ça. Là, ça doit être. Ouais, tu vois pas toi. Oh, vache. Ça doit être tout ça. Faudra surveiller tout ça parce que. Ouais, il a fait le test. Non, c'est bon. Ah, ouais. Ouais, c'est clair. Ça a démarré, il a démarré 70 ans. Ah, c'est une dingue, elle monte les escaliers. Escalier par deux, elle vache. Putain, elle mange les gâteaux avec le dard. Elle. Alors j'aime bien. Elle monte la moitié des escaliers, tranquille, nickel et tout.
Et l'autre partie, bah tu vois les escaliers, puis qu'elle monte tout doucement. Il y en a un autre ? Hein ? Il y en a un là-bas qu'on voit pas. Ouais, il y en a un là-bas qu'on voit pas. Là, je sais pas trop ce qu'il est devenu, il faudra que je finisse ça pour avoir sa partie à lui. Pour prendre. Et puis dans le poil, je l'ai pas fait non plus. Pour l'instant, je fais la partie, la truc numéro 1 avec tout le monde. Et après, je pars avec le deuxième perso. Dans les mains, je sais pas si. Là, c'est une abeille. Là ils font une espèce de truc lyrique, ils s'amusent à reproduire des passages de, comment dire, des passages de Shakespeare. Là, t'as un moment où tu tenais le bras de nouveau comme dans la lettre, et dire, après lui lui a fait un truc dans, comment ça s'appelle, Roméo et Juliette. Ah, René Ginette, oui. C'est quoi ça? Carreau d'arbalète, ben non. Je peux pas prendre, j'ai pas l'arbalète. Tu vois, ces épées, en fait, c'est les monstres épées là. Ouais. Oh. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Il est encore là? Il faut sûrement une carte. Ouais. Deux dimensions, du coup ils peuvent se fondre dans n'importe quelle matière. Tu peux pas le péter ça? En fait, ouais, c'est lui qui a invoqué tous les monstres, donc en fait il s'en sert. C'est un peu trop corps à corps, donc du coup t'arrives plus trop à esquiver les... Non, vas-y, je vais les ramasser parce qu'il y en a trop. C'est obligé, il y a une, il y a une arbalète quelque part, machin, il y a trop de flèches, il y a trop de trucs. Ouais.
comprends ça. Non. C'est un truc personnel, attends, il ne fait pas que copier. Là, c'était la statue de son père. J'avoue qu'il n'est pas sympa avec le paternel, même s'il n'a pas connu. Mais... Oui. Ferme la porte des enfers. Ah mais bon, si d'entrée il est aussi fort, c'est parce qu'il est... Bah, et puis aussi parce qu'il est complètement taré. Je trouve un coffre. Ça aide aussi. Hein. Il est taré, il s'en bat les couilles de tout. Donc... Il prend rien au sérieux. Non, il a le sens de la famille. Quand il pensait avoir tué Virgil, il a pleuré à la fin. C'est pour ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire, les démons peuvent pleurer. Même s'il répète toujours que les démons ne pleurent pas. Mais... Et c'est là que Lady elle lui dit peut-être que les démons peuvent pleurer quand ils perdent un proche. Comme tu vois comment dire tu vois quand ils sont contents de se retrouver bah, tu vois quand ils sont contents de se retrouver et Meliodas hein? Ah Captain BAM Captain BAM BAM et hop ça commence à se mettre sur la gueule bah c'est à peu près pareil à coup d'épée puis comme Igor et Speed et tout quoi. C'est compliqué, je crois que c'est un démon qui a été envoyé pour donner à la forme de... qui ressemble à sa mère exprès parce que c'était elle avait position de le tuer au départ, mais au final elle l'aide. Moi, je crois que je suis à la fin. Faut en goûter, elle l'aide donc, alors qu'elle devait le buter. Enfin, elle devait le trahir et tout, et puis en fait elle a trahi Mundus dans le vent. Je crois que c'est elle le personnage caché dans le 1. Mais je sais pas comment on fait pour l'avoir, faut que je regarde sur internet. Putain, la vache, putain, le jour où j'ai besoin d'un truc de ouf, je te demande à toi, hein, parce que là. Vu le niveau là. Hein? Ah non, mais là, vu le niveau. Là au-dessus c'est le soleil hein. Oh merde j'ai fait utiliser. Il faudra que tu me fais penser à faire un truc là depuis que je te dis que j'ai fini le jeu. Fais-moi penser à comment dire. Jeter la console par la fenêtre. Non ça on va éviter quand même. Non fais-moi penser à comment dire à aller faire changer ma. C'est lequel Dark Player hein. Changer ta couche. Non. Ah merde. Putain, je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, à aller changer mon code pour la carte Carrefour. Ah oui, le code à 4 chiffres là, je sais pas quoi là. Ouais, bah oui, je me suis foiré la dernière fois, j'ai pas pu... Ouais. Là, faut lui péter les pierres. J'ai pas pu, comment dire... Ah, c'est abusé.
Ouais. Je fais un petit tour par là. Ouais, donc faut que je refasse le code parce que je dois avoir. Je sais pas, je dois avoir pas loin de 8 euros, je crois, dessus. Ah oui. Ah putain, je voulais voir si c'était le document, on pouvait le ramasser. Putain, je suis à la con. Ouais, refais demi-tour. Alors par contre, ils avaient fait un raccourci pour les objets et ils l'ont enlevé, ces cons. Ah d'accord, super. J'étais monté dessus, ils sortirent. Putain. Ouais, ils avaient fait un raccourci pour prendre des objets de soin plus rapidement dans le 3. Et dans le 4, ils l'ont enlevé, ces teubés là. Ils font un truc de bien un coup et puis ils l'enlèvent le coup d'après. Essayez d'être moins con, les gars. Oh, je trouve l'arbalète. Shit. Un code à 4 chiffres, ok. Ah bah à chaque fois il me baise la gueule alors bon. Et à chaque fois il m'envoie ça juste avant, du coup j'arrive pas à me réceptionner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coffre dans le jeu. Pour déposer des objets, d'accord. Des machins et tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ça, c'est chiant. On peut tirer dans celle-là d'ici, il faut lui péter celle du front. Ça va envoyer, après ça va lui, à mon avis c'est Virgil qui est là. Dans ah, celle-là. Je peux même pas le dégager. Non, Nero. Putain, je fais comment? Soit c'est Nero, soit c'est Kyrie. Ouais, c'est ça. Enfin, ça. Ouais, la fille que Nero il aime. Ah, d'accord, j'ai pas le code, je peux rien faire. Contre une statue qui fait genre... Bah, elle fait facilement, je sais pas, 50 mètres de haut, voire plus. Le mec, il se prend la gueule. Il kiffe. Ah d'accord, je peux lui viser. Mais non, monte! Mais ta mère! Désolé, il n'est pas monté. Enfin, je lui ai dit de monter alors. C'est... Enfin, on peut énerver. Pourquoi t'as cette arme là, putain? Remets rébellion. On parle de sa piscine, ça sert à rien. Ouais, une pointe d'emplacement de vide. Sauf que je peux rien avancer. Tour de carte. Ah, c'est celle dans le... Bah non, si les... Là, est-ce que je peux en atteindre une... Ah, non. Non. Donc ça veut dire qu'il faut plus que j'aille là. Faut que j'allume le canon, à mon avis, là, pour pouvoir avancer. Je vais voir l'autre côté. L'autre côté, l'autre côté. Ah, merde. Je vais bien finir par le retrouver, hein. Non, c'est pas le bon, c'est l'autre là. Il est positionné. Ah,
Foxy, quand il essaye de me taper, ça le... Je vais pouvoir attaquer le niveau. Non. Putain de bâtard. Qu'est-ce qu'elle est moche, la porte? Oh l'enculé de ses morts. Oh, pourquoi elle est pas activée celle-là? À mon avis, là, faudrait plutôt que je mette les guns plutôt qu'autre chose, ils sont plus précis. Ouais. Regarde. Ok, déjà, tu vas péter celui du genou. Là, par contre, celui de devant, ça doit être le final parce que t'as vu, ils veulent pas que je le. Non, c'est celui de derrière qui veulent. Ouais, il faut que j'arrive à lui tirer celui dans le dos. Merde. Ah, elle était pas tout à fait fidèle, celle de la jambe. Putain. Y'a plein de trucs à ramasser, j'ai pas assez de place dans l'inventaire, ça casse les couilles. Je sais même pas où je dois aller, ce que je dois faire. Je cherche un coffre pour déposer des trucs, y'en a pas. Je me demande vraiment si j'ai bien fait d'acheter ce jeu-là, quoi. Dans le premier Resident Evil, t'avais des coffres quasi partout. Là, tu cherches un truc, t'as rien. Il y a même des balles, regarde, je peux même pas les prendre. Là, faut trouver un moyen de l'obliger pour le dos. Ah non, il y a celui-là. Je peux rien faire. Ça va peut-être le faire tomber pour que j'aille taper son dos. Ouais, regarde. Ah, je suis carrément à l'opposé par contre. Ah, putain. Je me dépêche ou il va se relever. Ouais. Ah, le bâtard. Il met des gars pour protéger son truc. M'en fous, je lui pète son truc avant. Je finirai les gars après. Bah donc il reste plus que celui de devant normalement, non? Tu lui pètes son gueule. Oh, il... Regarde, il fait tournoyer les plateformes et tout. Ouh, là, je le sens pas, là. Oh, ça veut dire... Oh, putain! Ah ouais, bah je l'avais dit que je le sentais pas, hein. Eh! Qui c'est qui a prévu presque à tout à fond en objet de soins et qui a eu raison, hein? Parce que en facile, j'ai failli me faire un one shot. Mmh. Security lock active. Hein. Code d'identification. Mais j'en sais rien. C'est pas Véronique le code? Non. Oh. C'est pas le nom du jeu? Je sais pas. Comme je le sais pas, je l'ai pas fait. Ah d'accord, on va aller faire tout le tour. On va arriver sur celle là, et là je parie qu'il va pas faire sa gueule. Allez, je veux une machine à écrire, un truc là, allez. Sérieux? Faut que je nique des chauves-souris? Bah oui. Putain, saloperie. Là, il est plus près, est-ce qu'il n'aurait pas mon... J'avais pas le souvenir de ça, moi, que les chauves-souris pouvaient devenir des bestioles comme ça. La bonne
Voilà, encore un truc que je peux pas ramasser. Là, il y a du soin, je peux pas ramasser. Là, il y a rien à faire. Ah putain, les contrôles, je te jure, c'est. Oh la vache, le bâtard. Ouais, putain, il fait du coup de fou, puisque c'est tout. Là-bas. À mon avis, c'est tant qu'il a pas détruit la plateforme, il continue. Ah d'accord, tout est passé par-dessus le machin. Est-ce qu'il y a un coffre? Ouais, enfin un coffre! Oh la vache! Ouais, ben dis donc! Ah, ça, vu que c'est vide, faut l'utiliser pour l'instant. Ah, d'accord, si j'arrive à tirer dans les boules, ça. Comment dire? Ça me remet de la jauge des villes. Ouais, c'est trop bien. Face. Mais oh, pousse le meuble, bordel de merde! Vive les contrôles à chier! Ah, du coup, je suis des gens de mitrailleurs. Ah, ceux-là, on peut pas par contre tirer tant que les autres. Je vais le noter quand même au cas où. NT60 394. Sortir Virgil et Kyrie de truc, enfin j'espère que Kyrie elle a pas été absorbée. Non pas Virgil Nero, putain je me trompe en compte. Économise un peu de place. Pouvoir sauvegarder, maintenant je sais un peu ce qu'il faut faire, c'est retourner en arrière, ramasser ce que j'ai pas pu ramasser, et ça ira mieux. Ça, je peux arrêter le jeu là pour aujourd'hui, ce sera déjà bien. Voilà. Une heure et demie. Live, ça va? Et hop, arrêtez.